Eh bien bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit live détente, comme j'ai l'habitude de le faire à partir de 18h. On a un peu de retard ce soir parce que j'ai eu beaucoup de boulot. Je suis en train de faire le rendu de ma vidéo à côté qui était censée sortir à 18h, donc c'est un peu le bazar. Je vous cache pas que je suis un poil en retard sur mes créneaux horaires, mais bon, a priori vous aurez votre vidéo juste après ce live, donc ça tombe bien, c'est parfait. Donc on va se retrouver pour un petit peu de Slime Rancher avec toutes ces belles petites créatures roses qui me donnent faim. Pourquoi je joue toujours à Slime Rancher quand j'ai faim? Je ne sais pas pourquoi. Donc j'avais fait des petits enclos, j'avais débuté ma première partie, à savoir que la rediffusion est déjà disponible sur ma chaîne secondaire. Et et je tente un truc là aujourd'hui, je sais pas du tout si ça marche. Pour vous dire, il va falloir 2 secondes d'ailleurs pour vérifier. J'essaie de live en fait à la fois sur... j'ai l'impression que ça marche. À la fois sur Level Down et à la fois sur YouTube. Visiblement, on est bon. Bah écoutez, c'est parfait si ça fonctionne. Comme ça, tout le monde peut voir le live parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils ont des soucis avec Level Down à chaque fois. Je lirai principalement le chat de Level Down parce que je vous raconte pas le bazar que c'est sur le chat de YouTube. Mais c'est plus cool. C'est plus cool comme ça, tout le monde peut voir le live. Si ça fonctionne, alors tout le monde est content, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer cette petite aventure. Alors attendez, juste un truc. Parce que j'ai mon chat qui vient de s'infiltrer, qui va à nouveau éteindre. Éteindre mon PC, il a déjà fait sur mon live avec Poudlard RP, donc j'ai pas envie que ça se reproduise. Toc. Voilà, hein, mon petit chat qui n'arrête pas de pirater tout ce que je fais, que ce soit vidéo, que ce soit live. Donc voilà. Je vais demander à ceux qui sont sur le Valdorn s'ils arrivent à bien suivre le live, et de même à ceux qui sont sur YouTube, là c'est le moment, dites-moi si tout fonctionne. Pendant que je nourris ces petites créatures démoniaques qui font du caca. Qui vaut plein d'argent, le caca de ces créatures. Ça, c'est cool. Allez, mangez. Faites-moi plein de jolis caca. Regardez, ça tombe là. Il y a du caca qui arrive. C'est parfait. Toc, il reste encore quelques fruits ici. Allez, oui. Voilà. Hop, un petit dernier là. Encore un petit peu de caca. Voilà. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a du caca qui arrive, il arrive là-dedans. Donc, c'est parfait. C'est moi ou ton son est trop fort? Ah, le son de mon micro, vous voulez dire? Ça sature un peu? Bon, YouTube ça marche en tout cas. Tout le monde me dit que ça marche sur YouTube. Sur Level Down, bah ça fonctionne nickel. Bah écoutez, c'est parfait alors ça. C'est parfait! C'est parfait! Ce qui est moins parfait, c'est que j'ai toujours aussi faim. Ils se nourrissent de quoi déjà? De la viande et des légumes. Ouais, c'est ça le souci, étant que je n'avais pas fait pousser de légumes. Faudrait que je change un petit peu tout ça. Donc là, j'avais ramené plein de ressources. Écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que... on va partir à la recherche de... Oh. Attendez, je peux les faire ceux-là ou pas? Est-ce que c'est le même symbole? Oh. Attendez, je peux le faire là pour une fois ça. Ça, c'est une machine... je sais pas à quoi ça sert, mais je peux envoyer mes petits caca dedans. Mes petits caca. Oui, on parle de caca. J'appelais ça des cristaux et tout le monde m'a dit « appelle ça des caca ». Donc j'appelle ça des caca parce qu'en effet, ces créatures, elles mangent des ingrédients et elles recrachent pas du caca. Écoutez, on peut pas vraiment appeler ça autrement. Donc il y en a beaucoup hein, dans chaque enclos, c'est un peu le bazar. Mais ça passe. Ça passe. Alors, du coup, on va créer ça, là. Oh, mais c'est trop bien! Ça donne... Ah, les poules, elles vont s'enfuir. Ça donne un bonus, en fait. C'est une quête journalière, c'est ça. Ça se confirme, du coup, visiblement. Toc, 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 toc. Donc ça me rapporte de l'argent. Le petit caca. Donc on a la valeur du caca à chaque fois à côté. Moi, j'aimerais bien des légumes, du coup. Alors, peut-être que j'en ai eu là-bas, je vais voir ça. On va aller voir ça. Ça a l'air d'être un légume, ça. Hein. Ouais, ça a clairement la tête d'un légume, ce truc. Pardon, les petites poules. Est-ce que je peux remplacer ça? Comment je fais? Comment j'interagis? Ah, voilà. Ok, toc, voilà. Ok. Sol nutriments. Ok, compost, plinker, arrosage. Ok. Bon, on va faire pousser des navets.
Normalement, les navets, c'est pas mal parce que je pense que je peux nourrir les créatures là-bas avec. On va tenter quand même. Oh oui. Alors, on va avoir du caca de luxe là. Là, on va avoir du caca de luxe, les amis. Avec cet enclos. D'ailleurs, je vais mettre un truc qui récolte le caca automatiquement. Ça coûte 500. Voilà. Un petit caca... Un cacamatiseur automatique. Non, je sais pas comment on peut appeler ça. Du coup, je vais continuer à ramasser ça, là. Les petites poules. Ce jeu est vachement fun, en fait. C'est vraiment le genre de jeu totalement détente, assez cool à découvrir. Donc bon, bah, tous ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à, si vous avez envie de vous exprimer, parce que c'est le bordel et que je peux pas trop regarder le chat parce qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, à passer sur Level Down, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir le chat Level Down. Si vous avez vraiment envie de me donner des conseils, voilà, que vous êtes quelqu'un qui est très motivé pour m'aider, ce sera sur Level Down que vous pourrez le faire plus facilement. Donc là, normalement, ça va récolter. Maintenant, le petit caca qui est ici. On va leur laisser ça là aussi. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et il va faire nuit bientôt, donc peut-être qu'on peut tenter d'aller récupérer de nouveaux petits compagnons. Ça peut être intéressant. Toc toc. De nouveaux petits slimes. Ouais. De nouveaux slimes, exactement. C'est ça qui m'intéresse. Tac. Les musiques de ce jeu sont trop bien, même si elles tournent en boucle. Ah, je connais pas. Par contre, j'ai jamais essayé d'actionner la machine à droite. On va aller voir. C'est quoi ça? Plop Market. Ah oui, non, c'est un machine tutoriel. Si, j'avais déjà essayé une fois. Voilà, la nuit arrive, on a changé de musique. Ah oui, mais vous savez quoi? Je prends ça. En fait, on va aller nourrir le boss. On va lui donner une poule au passage, là, tant qu'on y est. On va les nourrir, il y avait un boss à nourrir, je l'avais pas nourri encore, on va aller faire ça. Pam pam pam. Ah regardez, ils sont là. Oh, c'est trop joli quand ils fusionnent. Vous avez vu? C'est trop cool. Ils sont tout mignons. On va prendre ça là. Eh non! Casse-toi! Je veux pas de toi. Je veux juste de la nourriture pour aller nourrir le boss. Des carottes. Ah, je suis bloqué! C'est petit slime qui me bloque le chemin, là. Ok. Toc, ça je prends aussi. Est-ce qu'il est là la nuit, le boss? Je sais pas. Les slimes ninja se trouvent dans une zone remplie d'herbe avec les boom slime débloquables grâce à une clé slime. Bon, et après, il y a plein de trucs que je connais pas, visiblement. Moi, j'ai pas encore exploré beaucoup la zone. Il va falloir que j'explore un petit peu, que j'essaie de récupérer les nouveaux slimes. Et j'avais celui-là là, à nourrir. Mange. Mange. Oula. Oh, ok, ça a marché. Oh, la clé slime. Ça doit être ça, là. Allez-vous-en. Barrez-vous. Ok. Slime cave. Une ancienne clé, pour une ancienne serrure. Boum. Oh, je le connais pas, lui. Tabby Slime. Ah si, Tabby Slime, si, je connais. Ça, j'en ai rien à faire. Et boum. Ok. Il y a de l'argent dedans, mais je sais pas si ça me le ramasse ou pas. Si, j'ai l'impression que oui. Donc, ben, premier boss fait, alors. Hein. Je sais pas s'il est tombé dans l'eau. Bon, on va peut-être pas essayer. Premier boss réussi. Du coup, j'ai un chat. Un tabby slime. C'est plutôt cool comme jeu. J'aime bien le délire. Je sais pas ce que je vais pouvoir débloquer comme endroit avec la clé. En tout cas, c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu, alors. D'accord. Ouh, je l'avais jamais eu, elle. Stony N. Nouveau, ça. Encore des poules ici, si jamais... Ah, elles se font bouffer, les poules, là. Ok. Et là-bas, je me balade, hein, pour voir si je trouve des trucs un peu plus rares. Ah, casse-toi, toi. Pourquoi je peux pas la voir? C'est quoi? Ça avait l'air trop bien! Ah, c'est quoi? Expliquez-moi, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je pouvais pas l'aspirer, lui?
plutôt la tristesse. C'est plutôt la tristesse quand ce genre de choses arrive. Bon, on peut peut-être essayer de prendre des petits lumens, je sais pas. C'est quoi ça, ça? Il s'est passé quoi, là? Oh là là, mais tout le monde s'emballe dans le chat. Visiblement, c'était un truc incroyable, le slime doré. Ah, fallait le nourrir? Attendez. Il fallait le nourrir, le gun slime? Il faut le nourrir. Oh, ah non, j'ai été trop bête. Oh là, c'est quoi ça? Aïe! Mais non, il mange les slimes! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allez-vous-en! Prenez-le, mais pas moi! Au secours! Je me barre. Je me barre. Je le récupère en fait. Il est trop mignon. Barrez-vous, fuyez! Les femmes et les enfants d'abord! D'accord, bon bah j'avais de la nourriture sur moi. Si j'avais su, j'aurais pu le nourrir là. C'est dommage. Donc toujours avoir de la nourriture sur soi. Ah, après c'est la deuxième fois que je le croise. Hein. C'est la deuxième fois que je le croise, je vais bien le recroiser plus tard par la suite aussi. Bon, allez, je prends des petits slimes là comme ça, mais il y en a plus beaucoup parce qu'ils ont tous fusionné, j'ai l'impression. Il y a encore des ennemis là. Et je sais plus ce qu'il y avait là-bas, est-ce que j'étais allé déjà? Oh. Danger, il y a écrit. Oh! Et il est vénère lui aussi. Bon, je vais me barrer pour l'instant. Je vais me barrer. C'est plutôt dangereux cette histoire. Ah, ah oui. Aïe. Salut. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi j'ai pas réussi à le manger lui? Bon, c'est pas grave. Poum, poum. Ah, j'arrête pas de me bloquer dans le décor. Allez, rentrons à la base. Je vais aller améliorer mon gun, je pense, en effet. C'est un slime, ça? Non, c'est pas un slime. Je vais aller améliorer mon gun. On va aller dormir, comme ça je pourrais renourrir les slimes. Mais bah, allez-vous-en! Les gros slimes noirs, c'est des tares. Si tu les aspires et tu les jettes dans l'eau, ça les tue. Ah! Ça, c'est intéressant à savoir. Faut les envoyer de... Ah, faut envoyer de l'eau dessus, d'accord. Peut-être que je peux cracher de l'eau aussi, alors. Très très bien, c'est intéressant à savoir. Allez, allons dormir. Dormir jusqu'au matin. Ah, j'ai dormi 3 heures. Je me sens en pleine forme. Fouf. C'est l'heure de manger. Allez. Bon app. Le petit déjeuner du matin est servi. Wow, il y en a, il a voulu s'enfuir là. Il a voulu s'enfuir le coquin. On va nourrir là-bas aussi. Pour qu'il nous rapporte plein d'argent. Voilà. Du coup, je vais mettre un petit tabi slime là. Pourquoi, je sais pas. Voilà, comme ça. On a un petit... Oh, il est sorti lui. Ah, faut pas mettre le tabi slime. Ils aiment pas du tout quand il y en a un. Ça les fait sortir! C'est pas bien ça! Va-t'en! Plop Phosphore, ça se vend combien ça? Je vais aller voir. Les slimes normaux. Quand ils ont l'air en colère, il faut leur donner à manger, d'accord. Oh, hey, slime Phosphore, ça se vend 24. On va faire un enclos à slime Phosphore alors. Allez, on va faire ça, ce sera notre objectif là. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a une machine ici? Normalement, il y a une machine hein, qui a ramassé tout ça là. Toc 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 toc. Oui, et cela c'est ce qui rapporte le plus hein. Allez-vous-en. Wow, je suis en train de me faire défoncer. Pourquoi je peux pas aspirer cela? Ah parce que j'en ai le maximum, bah oui c'est vrai. Je suis bloqué à 20. Pam pam pam. Alors je lis les commentaires hein, comme j'ai dit, mais je privilégie ceux qui sont sur Level Down, c'est beaucoup plus facile à lire comme chat. Oh là là, tellement d'argent. Alors, un enclos phosphore, on va faire ça là. C'est parti. Donc on va
purchase. Solar Shield. Et des murs plus grands. Ça marche. Ils mangent des fruits. Bah, j'en avais encore un petit peu là-bas, je crois. Je vais aller voir. Il faut que j'en capture un peu plus aussi, du coup. J'en ai un là pour tester. Parce que du coup, ceux-là sont assez rentables, j'ai l'impression. Hop. Ah, ça marche très très bien. Et en plus, ils en donnent deux. Bah, c'est cool. Bah, je vais attendre la nuit pour aller en capturer d'autres, ceux-là. S'ils donnent 24 à chaque fois. Allez, partons à l'aventure! Partons à l'aventure. Système d'échange hors ligne. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il faut là? Ah oui, d'accord. Ça coûte de l'argent pour ouvrir la prochaine zone. Alors, je sais pas à quoi sert ma clé du coup. Enfin, on me l'a expliqué tout à l'heure là, mais je vois pas l'utilité immédiate de la clé. Bon, on va récolter surtout de la nourriture du coup, pour l'instant. Voilà, au cas où je recroise un slime doré, du coup. Boum. Il y a pas mal en plus, là. C'est parfait. Et on va explorer un peu plus loin. Donc la nuit, j'irai ramener des petits slimes spéciaux qui apparaissent que la nuit. Là, j'ai ceux-là. Mais ceux-là, je les ai déjà, du coup, en amélioré. Donc ça, c'est bon. Peut-être qu'on pourrait fusionner ça. Je pourrais tenter de donner ça à... Ça peut être intéressant. Au slime de nuit. Je sais pas s'ils mangeront. Je pense que oui. J'en prends 3. On ira faire un test. Allez, ça va. On va partir explorer. Alors tiens, on va tenter quand même de les tuer ceux-là. Tiens, crève. Ah, vous savez quoi? On va même tenter de le tuer là-haut. Ouh. Il se laisse pas faire, le coquinou. Hop. Ça a marché, regardez. Voilà. C'était pour voir s'ils donnaient des trucs quand on les tuait. Phosphore. Je m'en fous de ça. La nourriture. Encore un! Allez-vous-en! Mais il y en a plein là! D'où ils viennent ceux-là? Oh, une caisse. Oh! Faut le nourrir! Faut le nourrir! Faut le nourrir! Il a disparu! Eh, je l'ai nourri là! Il faut me réexpliquer là! J'ai besoin de vous, mes petits abonnés, je comprends rien! Il y avait encore un slime nourri, il est encore parti! Oh, je comprends rien. C'est compliqué ce jeu. Je me barre. C'est la fête ici. Alors, direction la nouvelle zone. On va aller voir là-bas, je suis jamais allé voir encore. C'est parti. Si, il a mangé, je lui ai mis une carotte. Pourquoi vous me dites qu'il a pas mangé? Il faut de la viande, vous me dites. Sérieux? Ouais, je vais pas me trimballer tout le temps avec des poules sur moi non plus. On va arrêter de vous moquer, franchement, je fais ce que je peux, c'est pas facile ce jeu. Bon, je vais prendre de la viande alors. On va se débarrasser des carottes. Et où le poulet? Voilà, on lui donnera un poulet. Bon. Ah, mais après, j'ai peut-être pas réussi à bien le viser, hein, c'est possible. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il avait mangé la carotte, mais peut-être que non. C'est bien calme ici, y a pas grand-chose. Hein. C'est cassé, là. Je sais pas qui a construit un pont ici pour que ce soit cassé. Ah, peut-être qu'il aurait pas dû
Se prendre un obstacle. Ouais, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, visiblement, la clé se utilise ici. Oh, attention, là. Ça rigole plus. The Moss Blanket. Ok, donc c'est une espèce de forêt d'émeraude. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? La musique a changé. Oh, je pourrais rentrer chez moi après? Je suis bloqué. C'est bon. Alors. En construction. Ah, il y a un slime d'eau là. Boum. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puddle slime. Ok. C'est bel et bien un slime d'eau alors. Il n'y avait qu'un seul. Ah, visiblement, il était censé looter un truc. Peut-être qu'il a looté un truc que j'avais pas vu d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Je regarderai en y retournant, mais je pense que ça aura sûrement disparu. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est beau! C'est cool ici. Oh, c'est quoi ça? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette zone? Pas beaucoup de slime ici. Non, il n'y a pas beaucoup de slime en effet. Je suis dans la mer là, je sais pas pourquoi. Bizarre. Bon, est-ce qu'il y a un truc particulier à faire ici? C'est bien beau, c'est bien grand, mais à part ça... Oh. Oh la vache. Ça, je prends. Un slime de magma. Oh, il y a une forêt de... Il y a une prairie de slime en bas, là. C'est trop bien. C'est vachement grand, ici, en fait. Je vais aller voir le slime de magma. Juste après, j'explore quand même un peu la zone, ici. Oh. Oh, mais il y a des slimes bizarres là. C'est quoi ça? Oh, on va le prendre lui. Allez, je vais renourrir un slime de magma là. Mange, mange. Oh. Qu'est-ce qui lui est arrivé le pauvre? Il a explosé. Je vais essayer de le mettre dans l'eau pour voir. Il veut pas manger? Non, il veut pas manger. Je vais aller aspirer les petits slimes là. Celui-là là. Honey slime, donc c'est un slime de miel. D'accord. Hop, j'en ai un deuxième. On va les capturer ceux-là. Ils sont plutôt rares ces slimes. Il est où mon slime d'eau d'ailleurs? Je l'ai jeté? Je crois que j'ai jeté le slime d'eau, quel imbécile! Mais je sais pas, j'ai jeté quand mon slime d'eau? Moi je me souviens même plus l'avoir jeté. Ah, je suis trop bête, je l'ai jeté où? Je m'en souviens même pas l'avoir fait. Bon bah génial.
Deux de tension, les amis. J'en ai pas besoin de ça. Oula. J'ai créé un monstre. On se calme ici, là. Faut que je rentre chez moi, c'est par où? Je suis perdu dans cette forêt immense. Ah, c'est la cata. On est dans un club piscine, il n'y a pas besoin de les nourrir. Ah oh, mince. Ah oh, ça aurait été trop cool, je le garde alors. Bah, je suis désolé, hein. Je sais pas où je l'ai mis le slime 2. Je suis totalement perdu, quoi. Il y a un truc pour retourner chez soi. Emergency return. Ouais, mais c'est pas censé être fait pour ça, j'ai l'impression. Ça s'appellerait pas retour de secours, sinon. Ah, mais j'en trouverai d'autres, des slimes d'eau, c'est pas grave. Mais je suis, par contre, je suis vraiment perdu. Hein. Là, je rigole pas là-dessus. Ah, allez, j'ai trouvé des slimes de magma. C'est pas mal aussi, ça. Oh, ça a l'air bien, ça aussi. Faut le nourrir aussi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trop des slimes. Enfin, ça se voit que c'est des trucs rares. Et pourtant, j'ai rien réussi à faire avec. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a encore disparu. Je suis trop nul à ce jeu. Ah, il est là. Faut lui donner une poule, non? Est-ce qu'il y a une petite poule dans le coin? Ah, il va se faire bouffer. Il a rien à lui donner à manger. On est d'accord que je peux pas aspirer, lui, hein? Je te protégerai! Coûte que coûte! Oh, des carottes! Mange! Ah! Ah! Mon slime rare, il est où? Ah! Au secours! Je me fais maltraiter dans ce jeu! C'est une embuscade! Adieu, monde cruel! Ok. Ouf! Ah. Eh ben les amis, bienvenue! Quand vous êtes. Quand vous avez été étourdi tout simplement, il vous faut 12 heures pour vous récupérer. Ah oui, donc les slimes dans mon ranch sont très fins du coup. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi! Je suis trop nul. C'est un lucky slime, vous me dites. Ah non, je suis vraiment mauvais dans le jeu, quoi. Ah, ça, c'est bien, ça, par contre. Mais non, mais je sais pas. En fait, déjà, j'étais perdu. Déjà, à partir de là, c'est pas bon. Je me suis trop aventuré, je pense. Mais même si j'étais revenu sur mes pas, je sais pas comment j'aurais fait pour revenir sur mes pas. On va reprendre en fait, j'en ai besoin. Oups! Tasty! Miam miam miam. Manger, manger. Faudrait que je mette des fruits ici. On va aller chercher des petits fruits. Ah bah y'en a un là. Non? Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, l'eau ça tue, d'accord, très bien. Ah mais j'étais totalement paumé, hein. Mais vraiment, Je m'attendais pas à ce que l'univers soit aussi grand dans le jeu. C'est complexe, hein, comme jeu. Allez, barrez-vous, là. On dirait pas comme ça, mais... C'est un jeu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est que mon deuxième... C'est que la deuxième fois que je retombe sur le jeu, hein. J'ai même pas fait 2 heures de jeu encore sur le jeu, donc bon, c'est pour vous dire. Ploum. Pom. Bon. Sinon, ça continue à bien marcher, j'ai l'impression. Ils ont bien mangé. Oh, en vrai, ça va, ça se passe bien. Bah tiens, on va récupérer ça. Encore une fois. En vrai, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Va-t'en, toi.
Ah, bah ça, c'est bien, ça. Là, j'ai de quoi nourrir tout le monde, ici, avec ça. Allez. Miam, miam, miam. Parfait. Et les poules, j'ai envie de faire un enclos à poules aussi. Je sens que ça va me servir, ça. Je sais pas si j'ai assez d'argent pour le faire. Stony Hen, elles ont l'air bien comme poules, en plus. Bon, je vais les garder dans mon inventaire pour nourrir les slimes dorés, si jamais il y en a un qui arrive. Oh, j'ai encore de la place dans mon ranch, hein, si je veux regarder. Mais ouais, après, il faut se débarrasser des slimes, c'est ça? Au bout d'un moment, il y en a trop et... faut se débarrasser des vieux slimes, je suppose. Alors ceux-là, ils sont peut-être pas très rentables. Comme slime, je pense. Même si je les ai améliorés, il y a un moment, il faudra s'en débarrasser. Je sais pas s'il y a moyen de s'en débarrasser facilement d'un slime. Parce que là, il y en a beaucoup. Pour s'en débarrasser, ça va être un peu chiant. Ou alors, faut juste ouvrir l'enclos et ils sortent, je sais pas. Ah! J'ai plein de succès, par contre. Je pense que je m'en sors bien, en fait. Hein. Oui, Paragon, c'est prévu que j'y retourne sur Paragon. En vrai, je m'en sors bien. Faut pas me sous-estimer. Toc. Parce qu'avec tout cet argent, je pourrais améliorer mon gun. Ouais, à chaque fois, je me fais avoir, là. Bah justement, je vais essayer d'améliorer mon gun pour pouvoir prendre jusqu'à 30 trucs et pas 20. Ça peut être pas mal. Pam, 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 pam. J'ai raté un gros slime, visiblement, on me dit. Toc. Après, même les petits cacaros, ça rapporte, hein. À force d'en vendre, comme ça. Bon, faut pas faire ça toute la journée, je pense, mais... En créant une poubelle à slime, je peux me débarrasser des slimes. Ah, c'est triste, mais... Si ça fonctionne, ce sera la solution. En effet. Toc. Toc, toc. Vous avez vu comme ils sont rentables? C'est génial, ça. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Hop. Encore? Plein de succès qui apparaissent. Vous les voyez ou pas? Non, parce que j'ai la webcam dessus, en fait. Enfin, vous les voyez un petit peu, mais pas trop. Ah oui, puis j'ai ceux-là aussi. Ils se nourrissent de quoi, déjà? De légumes? Non, de fruits. Ah, je les avais oubliés. Aïe, aïe. Wow! Du calme, les amis. Wow, il y a tellement d'argent, là. Il va falloir que je leur donne des fruits, du coup. Les petits... Ce serait bien d'en ramener un peu plus. Bah du coup, j'étais censé faire ça pendant la nuit. C'est vrai que je suis mort. Je suis mort dans d'affreuses souffrances en tombant dans l'eau. Oh oui, monnaie, monnaie, monnaie. Du coup, j'ai bien envie de tenter un truc. C'était ce que je voulais tenter tout à l'heure. Ouais, on va tenter ça. Est-ce que tu manges ça? Si je te le mets là. Yes, 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 yes. Ça, c'est bien, ça. Ah, ils essaient de s'enfuir parce qu'il n'y a pas de toit. Ah non, il n'y a pas de toit ici non plus. Ok, c'est bon. Parfait. Du coup, il faudrait que je vérifie si ça change leur menu alimentaire également. Au passage. Ah, ils ont une nourriture préférée aussi. Je savais pas qu'il y avait... Ah, c'est pour ça qu'une fois, ça m'a donné x2. Non, 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 rentre-toi, tu vas mourir. Ah, faut vraiment que je le ferme ici. Il s'envole un petit peu trop. Voilà. C'est des petits coquins ou... Pam, 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 pam. Je savais pas qu'il y en avait qui sautaient plus haut comme ça. Ouh, c'est moi où la valeur a changé de tout ça. Oh, si j'avais ramené un slime de gold là, ça aurait fait 330. Les magmas, ça vaut beaucoup aussi. Oh. Ok, d'à côté, ok, c'est pas mal tout ça. Water tank permet de stocker de l'eau. Vous savez quoi, on va acheter tout ça. Jetpack. Voilà, ok, très bien. Dash bouche, je sais pas si c'est très intéressant.
C'est pour repousser les slimes, c'est pas intéressant. Avoir plus de vie, ça peut servir. Tank booster, je prends. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal tout ça. Ouh, c'est nouveau ça. Ok. On va retenter de partir à l'aventure, trouver de nouveaux slimes du coup. Mais pas très longtemps puisque j'ai prévu de ne pas faire durer le live trop longtemps. Le temps de préparer justement le live de ce soir également. On va prendre des poules. Ça c'est pour nourrir un slime doré si jamais il apparaît. J'y crois encore. J'espère encore croiser un slime doré. Bon et en fait on va aller là, on va pas aller à gauche. Ça me paraît plus logique. Ouais d'accord. Plus je vais donner une ressource, moins elle va me rapporter d'argent. C'est comme ça que ça marche alors. Ah oui d'accord. J'aurais pu ouvrir ici mais non, moi j'ai ouvert tout là-bas. D'accord, il me faut une autre clé pour aller plus loin. Est-ce que je peux aspirer l'eau ici? Ça peut toujours servir. Pam pam, patapatam. On va prendre les poules, hein, comme j'ai dit. Hop. Oh. Bon, on va garder l'œil ouvert, du coup. C'est nouveau, ça. Chicado. Aïe. Ça fait bobo. Bon, le petit poulet, par contre... Wouh! J'en ai pas besoin, ça ira. Allez, on y retourne. Et normalement, du coup, j'ai un jackpot, alors je sais pas comment je peux m'en servir. Mais je dois pouvoir m'envoler, du coup. Pam, 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 pam. Du coup, je peux courir plus longtemps et j'ai plus de vie, donc je prends moins de risques à explorer. Oh, du calme, toi. Une poule encore. Et des fruits. De retour dans la zone diabolique. Parce que je pense que pour remonter, il faut le jackpack ici. Alors, est-ce qu'il y a à nouveau un slime d'eau? Ah, j'en ai un. On va la ramener à la base, lui. Toi, est-ce que je peux te nourrir? Je pense que tu manges du poulet. Wow! Tu manges en effet du poulet. C'était un peu violent, mais... J'avais bien deviné. Ça rigole pas quand on les nourrit, ceux-là. Bon, ne pas se perdre cette fois-ci. On va éviter. Je vais aller voir à gauche. Pom, 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 pom. Attendez, il y a une poule, là. Toc. Ah, mais je suis là, je reconnais ici. C'est là où je suis mort tout à l'heure. Slime rouge, donc on va se débarrasser. Ah, ils ont fusionné. Un slime rouge. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Du calme, du calme. Des slimes rouges encore. Lui, il a mangé. Voilà. Avant qu'il explose, je le capture. Du coup, c'est bon. Je peux le capturer, lui. Et là, je me suis jeté dans le vide ici. Ouais, je reconnais. Et d'ailleurs, donc, quelqu'un m'a dit que j'avais raté un gros slime ici. Ah, là, ils ont trop mangé, du coup, ils se sont transformés en slime de la mort. Non, il n'y a pas de gros slime ici. Bon, c'est bien ça, c'est bien tout ça. On va ramener tout ça à la base. Faut juste que je retrouve comment remonter, comment remonter chez moi, et du coup, faut que je trouve peut-être comment utiliser mon jetpack, alors. Derrière toi, il y a le boss, on m'a dit encore. Alors, attendez, parce qu'il y a toujours un petit décalage, mais alors... Il est où le boss? Je pense que j'étais ici alors quand on m'a parlé du boss. Alors ici j'avais déjà exploré. Oh c'est chiant d'être bloqué comme ça dans le décor. Un peu d'argent. Bon je vais... De toute façon je vais peut-être me garder... J'aimerais bien savoir où est le boss, si ça c'est sûr par contre. Mais je pensais peut-être me garder
le fait de le faire pour le prochain live sur Slime Rancher. Je vais peut-être rater par ici. C'est peut-être là-haut. Hein. Bon. Essayons de trouver comment rentrer. C'est la nuit. Ça devient dangereux. Elle est stylée cette poule. On va essayer de trouver comment rentrer. Pam, pam. J'ai plus de quoi sprinter. Donc je viens de là. Je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Mais est-ce que je peux remonter? Oui. Non. Il faut que je regagne de la force. J'ai plus assez de force. Attendez, il y a peut-être un autre slime d'eau. Oui, c'est bon, j'ai à nouveau de la force. Allez, on s'envole. Ça marche pas du tout, les amis. Ça marche pas du tout. Attendez, j'ai peut-être une idée. Peut-être qu'en passant par là... Voilà. Ah, ça me paraît bien, ça. Ok. Oh, yes. C'est bon, on peut passer par là. C'est joli de nuit. Bon bah j'ai des petits slimes à ramener du coup, c'est bon. Je ne suis pas parti pour rien. Bon, près du pont. Alors ça fait deux fois qu'on me dit qu'il est... Oh, près du pont. Là par contre j'ai vu un boss là. Il était pas là lui avant. Si. Regardez là, il y a un boss. C'est un boss chat. Je crois qu'il aime bien les poules. Je crois qu'il aime bien les poules. Allons lui chercher des poules. Ah, il n'aime que les grosses poules. Je pense qu'il apparaît la nuit, lui. Et une autre là. Ah, j'en ai pas beaucoup, hein. Ça va être chaud de lui trouver des poules. On lui en ramènera petit à petit. Bon, au moins, je sais où est l'un des nouveaux boss. Aïe! Donc ça c'est cool. Et du coup j'ai le jetpack, je sais comment m'en servir aussi, ça nous servira par la suite. Ah, j'ai plus de nourriture s'il y a un slime doré qui apparaît. Et on va en ramener un peu plus du coup de cela. Non! C'est bon, j'ai réussi à le capturer. Juste avant qu'il se transforme. Voilà. Un petit dernier? Non, il n'y en a plus. Allez, très bien, on est bon. Ce jeu est plutôt génial. Ah, franchement, j'adore. C'est le genre de jeu. On voit pas le temps passer quand on joue dessus. Tac. Allez, on va stocker ça là-bas. Va falloir faire de nouveaux enclos du coup. Après, j'ai pas assez d'argent, mais. Ce serait le but quand même. Faire de nouveaux enclos. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent ici? Oh! Mangez ça, vous. Ouais, on va les faire évoluer comme ça, progressivement. Ça me paraît le bon plan. Ouais, c'est pas mal tout ça. On va récupérer encore un petit peu d'argent pour créer un enclos. Là j'ai pas assez. Enfin là y'a plus rien, là y'a plus rien. Bon bah y'a plus rien finalement. Bah du coup faudrait que j'arrive à vider l'enclos là peut-être. Poubelle alors. Démolish. Ah ouais non, ça va démolir l'enclos, c'est pas ce que je veux. Faudrait que je trouve cette fameuse poubelle dont on m'a parlé. Allez, je sauvegarde. Toc. Dormir jusqu'au matin.
Et eux, ils sont là. Bah, c'est cool, c'est parfait. Une nouvelle journée sur Slime Rancher. Non. J'ai plus de navet. Dites-moi qu'il y a un petit navet qui n'avait pas disparu. Dites-moi que tous les navets n'avaient pas disparu. On met des carottes à la place. Voilà. Bon, c'est un peu la crise, hein, côté espace, là. C'est pas incroyable, va falloir optimiser ça. Mais sinon, globalement, on est plutôt bon. On est plutôt bon, les amis. Regardez tous ces fruits, là. On va pouvoir nourrir un peu tout le monde, du coup. Tac, tac. À ceux-là, en fait, du coup. Puisqu'à côté, j'ai pas les légumes qu'il faut pour les nourrir. À moins qu'ils se soient nourris ici, il y a des petits légumes à côté. Ah bah si, regardez, il y avait des navets encore ici. Navet 2. Voilà. Et du coup, j'en ai pas assez, il m'en faudra un petit peu plus. Et eux, ils aiment... ouais, ils aiment des trucs que j'ai pas. Bon. Ah bah si, mais regardez, parfait. Il y a encore tout ça. Tac, 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 tac. On va les nourrir, ceux-là aussi. Avec mes quelques petites carottes qui traînent. Voilà, très bien. Bon les amis, en fait ce que je vous propose c'est de s'arrêter ici tout simplement parce que je préparais un peu le live de ce soir qui sera en effet sur Resident Evil 4, ça y est, le grand retour de cette série en live, c'est ce qui était prévu. Bon, ces lives sont très reposants, j'espère que ça vous plaît, ça change un peu des autres vidéos, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus... beaucoup plus posé, tout simplement. Mais moi, ça me plaît, en tout cas, ça me plaît de faire ce genre de petit live. C'est tous les soirs vers 18h en général. Et après, donc, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudi, j'enchaîne à 21h sur un bon gros live. Et ce soir, du coup, ce sera Resident Evil 4. Avec l'accent incroyable. Et j'ai l'impression, en plus, que le stream a marché sur YouTube. Alors, bah, écoutez, ce sera toujours du... Je vais essayer de faire du multi-stream, du coup, à partir de maintenant. À la fois sur Level Down et à la fois sur YouTube. Merci d'avoir été présent, du coup, sur les deux plateformes. On se retrouve bientôt, et ce soir notamment, donc bon appétit à ceux qui, tout comme moi, vont aller manger. La rediffusion sera disponible normalement sur ma chaîne secondaire. Et à la prochaine, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.